Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur le choc des 16e de finale de FA Cup en Angleterre. C'est vendredi soir, c'est Manchester City qui reçoit Arsenal du côté de l'Etihad Stadium. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous recevrez une alerte dès que l'on sort du nouveau contenu. Je vous mets également le lien de notre canal Telegram dans la description, vous n'avez plus qu'à le rejoindre. Pour parier sur ce match, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari. S'il est perdant jusqu'à 100€ en cash, c'est le seul bookmaker à proposer cette offre. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. C'est le choc de ces 16e de finale. Manchester City, deuxième de Premier League, reçoit Arsenal, leader du championnat. Les Citizens ont déjà 5 points de retard sur Arsenal avec un match de plus, donc ça va être très compliqué d'aller chercher le titre cette saison. Après deux défaites de suite à l'extérieur contre Southampton en quart de finale de FL Cup, 2-0, et contre United dans le derby de Manchester, 2-1 à Old Trafford, City a remis la machine en route en remportant ses deux derniers matchs à la maison. Contre Tottenham, 4-2 alors qu'il perdait 2-0 à la mi-temps. Et contre Wolverhampton, 3-0. Haaland, qui n'avait toujours pas marqué en 2023, a lui aussi relancé la machine en marquant un but face aux Spurs et un triplé face aux Wolves. En face, Arsenal est sur un nuage et n'a perdu qu'une fois en Premier League cette saison, c'était à Manchester United, 3-1. La pause Coupe du Monde n'a pas freiné l'élan des Gunners qui ont un bilan de 5 victoires et un nul depuis la reprise. Ils ont fait match nul 0-0 contre Newcastle. Derrière, ils ont sorti Oxford, club de 3e division, en 32e de finale. Et en Premier League, ils restent sur 2 succès face à des concurrents directs. Victoire 2-0 à Tottenham et victoire dimanche dernier 3-2 contre United à l'Emirates. J'ai hâte de voir ce match entre les deux meilleures équipes d'Angleterre cette saison. On devrait voir un match plutôt équilibré. Après, le fait que Manchester City soit favori ne me choque pas parce qu'à la maison, ils sont vraiment injouables. Même si ce n'est qu'un 16e de finale, c'est un gros match. Et surtout, City et Arsenal ne jouent que dans une semaine après cette rencontre. Donc je pense qu'on verra les meilleurs joueurs sur le terrain pour cette affiche. Les deux équipes tournent vraiment bien en ce moment. Ma base sur ce match sera les deux équipes marquent, c'est coté à 1,42. Ensuite, j'ai longtemps hésité sur la value Arsenal, mais finalement, je ne vais pas y aller. City à la maison, je l'ai dit, c'est très solide. 15 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues, en 17 réceptions. Et même si ce n'est pas du tout le même Arsenal que les saisons précédentes, les Sky Blues ont quand même un gros avantage psychologique, puisqu'ils ont gagné les 5 dernières confrontations. Et surtout, sur les 10 dernières confrontations face à Arsenal, ils ont un bilan de 9 victoires pour une seule défaite seulement. Donc je vais partir sur une victoire de City, c'est coté à 1,70. Ensuite, en buteur, je l'ai dit également précédemment, Haaland s'est remis en route. Il a inscrit 4 buts sur les 2 derniers matchs. Je le tente, il est coté à 1,80. Et mon gros fun sur cette rencontre, ça va être Haaland qui marque de la tête. Le Norvégien fait 1,94 m. Il s'impose très souvent dans les duels aériens. Sur ses 4 buts contre Tottenham et Wolverhampton, il en met 2 de la tête. Donc je tente en fun, Haaland marque de la tête, c'est coté à 9,50. Voilà mes avis sur ce match entre Manchester City et Arsenal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, PMU vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100€ sur l'un des 4 paris que j'ai donné. On va prendre le but d'Haaland qui est coté à 1,80. S'il marque, vous remportez 180€. Et s'il ne marque pas, PMU vous rend 100€ en cash que vous pouvez alors soit rejouer ou bien directement virer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc miser et parier en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.